Yop tout le monde, vous allez bien ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de 2021. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Nous sommes le 31 décembre midi. Vous voyez, on essaye d'être correct au niveau de la préparation de ces dernières et de pas trop déconner pour le gameplay de ce soir, sachant que je sors ce soir. Bon, on fait un petit truc avec trois potes, hein. On essaye d'être respectueux de la situation sanitaire, mais plus sérieusement, vu que je sais que je risque de finir tard et que ce sera désagréable pour moi de préparer un truc demain, j'ai fait le choix de vous sortir deux gameplays de stream qui se sont suivis, et dedans il y a la meilleure game que j'ai pu faire sur le jeu, et en plus plein de petits trucs trop marrants qui se passent, bien montés, etc. Ça fait plaisir. Donc on a bien terminé l'année 2020, on va commencer l'année 2021 aussi fort. Donc je me servais de cette vidéo également pour vous remercier du soutien dans ce moment. Ça me fait vraiment très 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 chaud au cœur, les frères. On va vraiment continuer 2021 sur le même ton de 2020, et pareil pour vos retours sur les vlogs, ça me fait très plaisir. J'ai vu que certains voulaient à peu près la même chose pour Lyon. J'avais déjà fait une vidéo où je faisais visiter Lyon à Joël, mais c'était pas une vidéo qui était totalement faite de fond en comble. Si vous voulez, je vous ferai la même avec Maï sur Lyon. Ça pourrait être cool en attendant d'avoir d'autres contenus IRL à venir. À savoir que les contenus IRL vont s'articuler le mercredi, jeudi et le dimanche. Le dimanche Dead Story, et entre le mardi et le jeudi, un truc un peu plus IRL. Par exemple, la semaine prochaine, je vais notamment vous faire la vidéo setup 2021. Bon, c'est assez marrant parce que je risque de prendre des locaux dans quelques mois, mais c'est assez cool. Bref, du coup, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine, les amis, à savoir demain. Le 2, des gros bisous. Ciao, ciao. Alors, c'est quoi là? C'est encore l'action de la partie là? Y a un autre truc ou pas? Je me pose la question. Le pire, c'est que les points de chaîne sur ma chaîne, ça sert littéralement à rien parce qu'il y en a, ils prennent des bannissements, ils font des trucs. Je ne touche rien. Je sais même pas comment ça fonctionne, frère. Y'en a, ils prennent. Tu sais, je le vois, l'autre a dépensé 5000 pour bannissement temporaire, Zach. Mais bon, c'est déjà ça d'avoir des points de chaîne. Vous pouvez mettre votre message en avant. C'est pas mal. Puis sa mère. Alors monsieur, j'ai entendu. Ouais, faudrait que je travaille mes points de chaîne et que je fasse un truc plus drôle. C'est un actuel. Je l'ai entendu. Le chien qui a fait le tour en attendant. C'est possible de spammer les pubs avec les points d'âme. En plus, moi, j'aime pas mettre des pubs à mes frérots. J'essaye de faire en sorte, tu vois, que ce soit le moins de pubs possible. Comme sur YouTube, j'en mets pas trop non plus et tout. J'essaye d'être respectueux. Moi, je pense à l'expérience utilisateur. L'UX. Hélicoptère d'attaque. Si c'est encore la killcam finale, il y a moyen que je l'ai là. Oh non! Détruisez-le. Let's go. Même quand je regarde mes revenus ce mois-ci de Twitch, les pubs, ça doit être un dixième. Même un peu moins d'un dixième des revenus. La plupart, c'est les subs et les cheers. Et là, si je suis le dernier, j'ai la killcam. Ah dommage, j'ai grid. Mais j'aime bien live sans pub, moi je mets des pubs que à la fin. Sacrifier un peu d'argent pour le confort de... Oh, de viewing de mes frérots. Le matin je me regarde dans la glace, je me dis ah quand même t'es un streamer formidable. En plus ça m'a fait trop plaisir parce que j'ai fait une remontada énorme. Genre Twitch a mis ouais quel était votre streamer préféré de 2020, ils ont mis un tweet, il y a pas mal de gens qui ont dit c'est Zach. Et là tu fais ah c'est Zach, ah oh, ça y est je rentre dans la catégorie streamer maintenant que je fais plus de 10 heures par trimestre. Non je fais ah oh, putain les gens, il y a des gens ils m'aiment bien. Je suis pas du tout à plein. Derrière toi frérot, derrière toi. Ah il joue l'objectif en face, hein. On gagne mais... que j'ai mis. J'ai pu sauver mon allié là. Dommage, elle sort dans la machine Doug.
Série 2. Vous êtes prêts? Allez, on va courir tout droit, là. Là, comme ça. On jette cette grenade, là. Et après cette grenade, on rush. Là, on fait. On fait. Vous êtes prêts? Et ça fait. Et ça fait. Bim! Bim! Bam! Boum! Boum! Merde, j'ai mis dehors! Ah, c'est bon, la cam est revenue. Heureusement que c'est revenu, je m'en serais voulu sinon. Et ça fait bim, bam, boum, ça fait 51-14. Aujourd'hui, le stream, on en voit que du sale, c'est trop énervé. Que du sale, c'est dans le même, c'est dans la même idée que Capital du crime. Oh, y'en a un au top de l'autre. Let's go. Vers la fin, quitter, quand il reste que 10 points à marquer, quitter le point comme ça on fait durer la game. Là j'ai fait la saloperie. La technique de quitter le point pour rallonger la game, c'est réellement technique de chien, mais technique efficace. Je savais que j'avais le brain en faisant ça. Ah non! Je m'étais abaissé, mais je suis mort parce que j'étais sur des escaliers, donc à hauteur de l'explosion! Ouais, 60 kills. Voilà, comme ça. Le double, let's go. Le pire, c'est que je le fais en jouant de manière un peu troll, ça me fume. Je l'ai, lui, je l'ai là. T'inquiète, je l'ai. Les deux! Parce qu'on est arrivé dans son viseur! Oh, je suis KO, sérieux! Oh, je suis mort! C'est la première fois qu'il me tue! Mais c'est une blague! Cette game est trop marrante parce que ça met du sale, mais en même temps, il se passe trop de trucs trop bizarres, c'est trop drôle! Oh le triple. Voilà le triple histoire d'un peu calmer quand même. Hein. Frère, mais vous avez vu, si vous regardez régulièrement mes streams, vous avez vu le nombre de Semtex qui me colle, de haches ou de conneries comme ça qui se passent. 66-23 en tout cas. Lourd. Dès la fin de mes examens, j'achète ce code et je fais une dinguerie. Eh oui. Et n'hésitez pas encore une fois à jouer en groupe, c'est le meilleur moyen de faire des bonnes games sur ce jeu. Donc vous pouvez rejoindre mon Discord pour ça, pour l'exclamation Discord dans le chat si vous voulez rejoindre. Ça me permet de choper vos pseudos pour jouer avec moi, ça vous permet de trouver des gens avec qui jouer si vous savez pas avec qui jouer. Franchement, c'est bien pour vous. Ah, il y a une prédiction. Let's go. Plus de 40 kills cette game. Vas-y, on va faire en sorte. Et d'ailleurs, là, je vous vois avec toutes vos icônes Prime dans le chat là. En cette fin d'année 2020, n'avez-vous pas envie de sub chez Zach? La propagande noire. Voilà. Vous aviez besoin d'un meilleur argument ou pas? Vous me dites, hein, si vous faut des meilleurs arguments pour vous convaincre, je le fais. Hein. Je peux répondre à toutes les doléances. Allez, on commence bien. On va faire les 40,5 là. Poussez pas trop, sinon vous avez niqué les spawns. Ah, dommage. Après, sinon, ils cassent les spawns et c'est plus difficile pour tout le monde de choper des kills. Allez, remontre-toi. Bon, si c'était sur la killcam, on l'aurait eu là. Allez, 10-3, on est bien. Si c'était la killcam finale, là, je l'aurais déjà eu quasiment. À des moments, j'ai des réactions. C'est. Comme ça! Vous voyez? Ce genre de réaction! Et on a fini les doubles. C'est trop frère. Le pire c'est que j'ai beau jouer à la M60 et peser 200 kg frère, on avance fort. Oh là là, le kill à la grenade. J'ai même la petite réussite qui fait la diff. Poussez pas trop. Yeah.
Ils viennent tous, gros, je suis sonné. Ils viennent tous. Ils viennent tous. Série de 10, je vais peut-être tenter la nuque, après j'ai ma machine de guerre. Laisse-le-moi à droite. T'as essayé de me le prendre, hein. Et en plus, t'as perdu ton duel. Je te félicite pas. 35-5. Ne pariez pas contre Zach. Il pousse trop à des moments, c'est chiant. Surtout le mec, je dis prenez pas. Ah, j'entends, on récupère Alpha, mais... Oh, le spawn kill de cochon, sérieux. Alors, la série de 11, on va tenter la nuque. Je prends le top cell, là, vite fait. Ça va être 12. J'ai mis le harp. Je vais tuer le mec en B. J'ai. Ça arrangerait pas qu'on prenne si je te gueule. Non, 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 non. Je vais top C, je l'ai. 15. Je vais là à gauche. Je vais les avoir. Vas-y, 20, je suis à 20. Nuque en coop, comme ça les mecs sur YouTube ils diront que j'aurais été aidé. Non, je suis mort. Je suis mort en 25 ou en 26. Je suis mort en 25-26. Non, je crois que je suis mort en 23 et j'ai fait le double après coup. Dommage. C'est dommage de l'avoir raté, c'était gratuit là comme nuque. Trop voulu rush, j'ai rush comme un taré, non mais qu'on soit bien d'accord. Je me suis pas mis en condition nuque de ouf. Enfin, attention, mec qui passe à gauche là. Alors, allez, voilà là. Alors c'est passé. Ça va vouloir passer là. Gamin! Je l'entends à côté de gauche. Ok, c'est passé. On rallonge la game. Laissez-leur le ALC. 63-8. Je me dis que c'est peut-être l'occasion d'avoir mon premier 100 kills, tu vois. C'est cap B, on prend C. Laissez RB, prenez C. Bon, avec 70-10, on est quand même bien. Chercher le 80 kills. Eh hey, ben, il y a eu posage de couilles sur des fronts là. Dire qu'il y avait le bet, est-ce que je peux faire les 40 kills? Bah écoutez, les 40 kills c'était déjà fini quasiment en une mi-temps. Oh, let's go.